Bonjour et bienvenue sur la chaîne Petit Secret de Playhistoire. Alors pour fêter les 10 000 abonnés à la chaîne, je vous l'avais promis, nous allons commencer la diffusion d'un projet qui me tient particulièrement à cœur. La saison 3 de Collector's Quest tournée au Japon. Il y a pratiquement pile 2 ans, au mois de juin 2018, j'ai lancé un financement participatif qui s'est très bien passé. Avec l'aide de pratiquement 750 contributeurs, j'ai pu partir avec Alex Pilote et Romain à la découverte et à la rencontre des plus impressionnants collectionneurs de jeux vidéo aux quatre coins du Japon. On est revenu avec plusieurs heures de films qu'on a ensuite scindé en 17 épisodes. Et croyez-moi, entre Tokyo, les montagnes de Nagano ou encore les rizières de Niigata, eh bien je pense que ce road trip devrait vraiment vous dépayser. Tous les contributeurs du projet ont profité d'une exclusivité et possèdent déjà le coffret DVD de l'émission. Et des retours que j'ai pu en avoir, je pense que tout le monde a beaucoup aimé. Et c'est aussi pour ça que j'avais vraiment très très hâte de pouvoir arriver aux 10 000 abonnés sur ma chaîne pour pouvoir enfin vous présenter le résultat de ce travail. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la suite de cet incroyable périple au Japon. Et surtout, pensez à partager, parce que je pense vraiment que les gens et les collections que vous allez voir méritent vraiment d'être découverts. En tout cas, j'attends vos retours dans les commentaires. Bon visionnage. Après avoir traversé une bonne partie de l'Europe sur plus de 2000 km dans la saison 1 et risqué notre vie dans une incroyable maison abandonnée au cœur de la France lors de la saison 2, nous revoici pour une saison 3. Et cette fois, c'est à 10 000 km de Paris que nous nous rendons. Où ça? Au Japon. Pendant plus d'une semaine, nous allons vous faire rencontrer une dizaine de collectionneurs parmi les plus incroyables et originaux de la planète. Le périple commence tout de suite à Tokyo. Enfin, juste après le générique en fait. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette saison 3 de Collector's Quest. Et pour cette saison, je vais être accompagné du grand Alex Pilot et de notre ami Romain. On a vraiment un grand, grand plaisir de t'avoir avec nous cette saison. Merci d'être là et puis d'avoir joué les mécènes pour cette saison 3 de Collector's Quest. Et comme vous pouvez le constater, on est déjà dans le vif du sujet. On est le 7 septembre et nous nous rendons à l'ouest de Tokyo. Nous sommes sur la ligne Chuo qui traverse toute la capitale. Pour notre première visite de collectionneur. Alors on va se donner un fond pour vous ramener des images vraiment très sympas, je l'espère. On espère que vous allez apprécier autant que nous, on est heureux d'être ici. Ça y est, nous y sommes, dans la proche banlieue de Tokyo. Notre premier collectionneur japonais habite à une dizaine de minutes en voiture depuis la gare. Il nous suffira de monter dans un taxi pour arriver à destination. Voilà, après une heure de route depuis notre hôtel, nous voilà arrivés maintenant chez notre premier collectionneur, Monsieur Fujita. Monsieur Fujita qui est un collectionneur de jeux consoles, spécifiquement Famicom. Alors il habite à la chambre 303, ça va être la suivante. Normalement il est là, il nous a dit qu'il serait là ce matin. Ah, ça répond. Oh, ah, どうも, Fujita-san, どうも, konnichiwa, hajimemashite, Florent to moshimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Nanka ikinari sugoi. Sugoi. Ma itsumo tori na heya dewa aru desu ne. So nan desu ka? Konna ganji de. Sugoi desu ne, Surugaya no danboru desu ne. Game ya san desu yo ne? So desu, yumei na game ya san desu. Ne, Akihabara ni aru desu ne. So desu, ima oui desu, Shinjuku toka ni ma. Ah, so nan desu ka? Fuete ru desu ne. Fuete masu. Wa, sugoi desu ne. Wa, haite ii desu ka? Ah, dozo dozo. Suimasen, ja chotto kutsu kochira de nugasete itadakimasu. Et effectivement, on va rapidement comprendre pourquoi. Dès l'entrée, M. Fujita nous invite à se frayer un passage dans ce long couloir extrêmement étroit et qui mène à sa pièce principale. Les cartons sont partout, entassés du sol au plafond. Et ils sont tous remplis de jeux vidéo. Ça commence bien.
ちょっと気をつけてくださいね。これああ、はい。まあいつも通りではあるんですけど、ちょっと片付けたんですよ今日は。はい、そうなんですか。お客さんが来るってことで。それは嬉しいです。ありがとうございます。C'est incroyable. Il est impossible de s'y habituer. Il y en a absolument partout. Des jeux, des boîtes, des consoles, des magazines, empilés sur les étagères, dans les placards, dans les cartons. C'est à peine si l'on peut poser un pied devant soi sans risquer d'écraser une cartouche ou un boîtier. Ok Alex, bon courage. C'est un truc de malade. Et nous ne sommes qu'à l'entrée de l'appartement. Autant dire que nous n'avons encore rien vu. Monsieur Fujita nous accompagne jusqu'à sa pièce principale où sont entassés pêle-mêle des centaines, voire des milliers de jeux vidéo. Il me faut d'ailleurs quelques minutes pour réaliser que l'endroit que je foule du pied, ici, c'est son futon. Oui, son lit est le seul espace de l'appart qu'il a réussi à garder à peu près dégagé. ここだけだと1万5000とかですかね。今1万5000この部屋だけで。他にもまあセカンドハウスとか倉庫とかがあるわけですよ。あ、倉庫もあるんですね。ここも結構広くて6畳が3部屋あるんですね。そこもドアになってて向こうにも部屋があるんですよ。あ、向こうにも部屋があるんですね。はい。あ、いや、わかりました。こっち入ってくるのはなかなか難しいと思うんですよ。ジェジャーメビューサ、ジェジャーメビューサのマビ。見てください、皆さん、partout。il y en a partout。jusqu'au plafond、je vois des boîtes Neo Geo。 Des boîtes Soul Gaia. Il y a du PC Engine, Saturn. Dans Atsumeru no ma suki de, motomoto. De, otora ni natte kara ma okanen mo motto hairu you natta shi, suki na yoni tsukaeru you natta nde, mo hoshii mono touyou ka, mite ii to motta ra kaou you narimashita ne. Ano, futsuu no heya ni tanah ga mannaka ni oite aru dake nanesu yo. Hai. Taijuu kakeru to abunai nde. Sou desu ne. Kaijuu kake nai hou ga ii desu ne. Kiyotsukete kudasai ne. Hai. De, sera mo kyou. 日本でいうところの和室なんですよ、これ。はい、畳がある。あ、畳ですね。はい。これ畳が見えるところを辿ってきていただけると大丈夫だと思います。はい。ジーパンとかだと結構この足を上げるのきついかもしれないです。大丈夫です。一応電気ここもつけたんですけど。ありがとうございます。体重をかけないことですね。そうですね。はい。おまじで。C'est l'aventure. Ok. 全然問題ないです。わあ、スーパーグラフィックス。フロランさんのコレクションもすごいですか？いや、すごくないんです。実は僕はコレクションはしてるんですけれども、もちろん比べるものにならないぐらい少なくて。アレックス、自分パスした。大丈夫です。はい。あ、これチェンジする。この暗さは大丈夫なの？Équipé de la caméra, je continue l'exploration de la grotte au trésor de Fujita. Oh. やっぱ最後どうですか？インベーダーとかあるんですか？バーチャルボーイ。持ってないです。そこは高いですから。すごい。で、まあここメガドライブがすぐあったり。ああ、本当だ。メガドライブ。で、この椅子に登れるんですけど。こうですね。この椅子の乗るとなんか全貌が見えます。はい。Franchement, je reste sans voix. Cet endroit est stupéfiant.Pour un gamer, cet appart est une sorte de caverne paradisiaque. Pour un claustrophobe, c'est plutôt l'enfer. Et pour les gamers claustrophobes, alors bah là, je sais pas trop. Je pense également à ce qu'il m'arriverait si un important séisme venait à secouer Tokyo. Mourir écrasé sous une tonne de jeux Famicom, pourquoi pas, mais le plus tard possible. C'est incroyable, il y en a absolument partout. Je marche sur des câbles, je sais pas sur quoi je marche, mais de toute façon, j'ai pas trop le choix.Là, je sens les jeux Neo Geo contre mon genou et ma cuisse. Là, je peux le faire, mais dans 10 ans, je suis pas sûr que je pourrais encore rentrer ici. Voilà. On y est. Okuni Okun. Excellent jeu. C'était une véritable aventure. C'est un vrai musée. Bon, alors, en construction, mais c'est un musée. Il y a vraiment de tout.Et il y a des raretés, il y a aussi des jeux très communs, mais c'est incroyable. Moi, je pense que sa frustration première, ça doit vraiment être de ne pas avoir la place de tout ranger, parce qu'il nous explique qu'il y a plusieurs épaisseurs en fait, de rangement. Il y a aussi des tanas qui sont là, donc il y a des choses qui ne sont pas prises. C'est ça.これの後ろにもあるんですよね。そうですそうそうそう。なるほど。こっちとかも大体もう4層5層になってる。4層5層ぐらいですか。そうそうそう。ここが一番すごいですかね。1層2層3層で4層5層になってますね。
Fujita estime qu'il lui faudrait des journées entières pour déplacer ses meubles et les remettre ensuite en place pour trouver un jeu bien précis. Et donc, il a dû trouver une autre solution. L'appartement de Monsieur Fujita est hallucinant. Nous lui demandons également comment il vit et s'il cuisine lui-même ici. Il nous affirme que oui, et il nous invite même à le suivre dans une autre pièce, sa cuisine. Là encore, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Même sur la gazinière, il y a des jeux. Je vois de la PC Engine, il y a du PlayStation, il y en a partout. En fait, on se demande s'il est possible de cuisiner dans un endroit pareil. Mais Monsieur Fujita nous assure que oui. L'important étant d'être, comment dire, un peu souple. なるほど。 C'est incroyable. ゲームとかそういった感じで活動させてもらっています。そしてゲームのプレイも僕すごい上手くて自分で言いますけど、ゲームのプレイとかをやらせてゲームメーカーさんのゲームやらせていただいたりとか、あとやっぱ懐かしのファミコンをメインにあの動画とかを上げさせていただいたりとか、ファミコンって今結構まあ注目されてますけど、それでも若い人は知らない人もいるんで、そのファミコンの良さを若者に伝えるべくして芸人になったと言っても過言ではない。 昔のゲームの良さを伝えたいんですよ、今の人に。それを目的として、ファミコンの面白さを舞台で伝えるというネタとしてやることもあります。はい。フジ、フジ。今はゲームのプロとかもいますけど、当時はゲームをやりすぎるのは良くないって言われてる時代だったんですけど、うちには親がいなかったんで。いなかったですね。いなかった。で、お金はあるだったんですよ。はい。だからゲームをいくらでもやっても誰も注意する人もいなかった。はい。からもゲームにのめり込んだというか。 Le passé de Monsieur Fujita est plutôt dramatique. Il a perdu sa mère à l'âge de 6 ans et son père ne s'occupait absolument pas de lui. Il vivait donc seul dans sa maison et son père se contentait de lui donner de l'argent pour qu'il subvienne à ses besoins. On s'en doute, une bonne partie de cette somme était consacrée à l'achat de jeux Famicom. Et si l'on en croit Monsieur Fujita, il vit désormais au milieu de pratiquement 30 000 jeux. Et en ce qui concerne les jeux qui ont le plus de valeur à ses yeux, voici sa réponse. やっぱ貴重なものってそんな思い入れはないんですよ。貴重ではあるんですけど、だからやっぱりそうなった時には思い入れのあるゲームとなってくると思うんで、2個すごい迷うんですよ、その場合。はい、どうぞ。アトランティスの謎か、スーパーマリオブラザーズ2ですね。でもまあ僅差でアトランティスの謎ですかね、選ぶなら。Je suis en train de chercher. その下あたりです。いや、その隣の部屋の。あ、il y a un Atlantis normalement par terre. Là, il y a Super Mario Bros 2 disque système. Ah, je crois que c'est celui-là. Atta atta. Ça, c'est le jeu préféré de Monsieur Fujita. に本にずっと住んでないと分かりづらいかもしれないんですけど、アトランティスの謎って当時、クソゲーとも言われてたんですよ。で、僕、当時がうまかったんですよ、すごくうまかったんですよね。うまくても逆にバカにされるみたいな時代があったわけですよ。アトランティスの謎がそんな評価されてない時代ですよ。で、好きだけども、これやるのやめた方がいいのかなっていうぐらいの気持ちになったんですけど、それでもやり続けたんですよね。 そして近年、ファミコンミニであったりとかにもアトランティスなどが入ったりとかもして、アトランティスの謎が評価されつつあって、そこでうまいプレイをテレビでやらせてもらったんですよ。したら、尊敬するとか、女性からも言われましたんで、逆転したわけですよね。だからやっぱ思い入れが強い、やり続けてよかったなと思うタイトル。 Alors, franchement, j'ai l'impression d'être Indiana Jones et d'avoir traversé un temple dans la jungle du gaming. C'est très impressionnant. Franchement, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et je dois bien avouer qu'on m'avait parlé de Monsieur Fujita comme d'un collectionneur incroyable. Je crois que le mot n'était pas assez suffisant pour exprimer ce que je viens de voir lors de cette première visite. Mais visiblement, ce n'est pas fini. Il voulait nous montrer un autre endroit. Monsieur Fujita nous a demandé de l'attendre dehors. Il veut visiblement nous emmener quelque part. 車でグロップのところに僕のセカンドハウスがあるんで、そこにもうゲームがぎっしりあるんで、それも見ていただければなと。車で行くんですよね。車で、わかりました。じゃあ、はい。まあただ車あるんですけど、ちょっと皆さんが乗れるかどうかっていう問題も。あ、車なりもちっちゃい車。いやいやいや、ワゴンで大きいんですけど、7人乗りなんですけど、ゲームがぎっしり詰まってる。じゃあ入れないということ。可能性もあります。はい。Après tout, un van, ça peut effectivement devenir un lieu de stockage. Est-ce qu'Alex, Romain et moi-même allons pouvoir grimper à bord de cette ludothèque roulante et continuer notre visite? Vous le découvrirez dans le prochain épisode de Collector's Quest saison 3 au Japon.